Bonjour à tous, ici Rémi Aboussois. Aujourd'hui à Crowfoot TV et dans le West Island pour visiter le Premier Football Academy, un programme vraiment unique. Pendant toute l'année scolaire, 24 jeunes des écoles secondaires Des Sources et John Rainier vivent le rêve de tout joueur de football. L'avant-midi, ils suivent leurs cours réguliers, maths, chimie, histoire. Mais l'après-midi, de 1h à 4h du lundi au vendredi, ils sont sous la supervision de Michael Burgess pour suivre des cours de football. Make them better athletes, to be able to do more things, because it's a football program on the football field, but also other sports and conducive with school. So in the case of a week, from Monday to Friday, they would do Mondays and Wednesdays on strength training. So the grade 7s and 8s will work on their core strength. Grade 9 and 10 and 11 get an intro to weight training. So intro to bench press. Some would do squats, some would not, some would do deadlifts. So they'll do that Monday and Wednesday. So it's really concentrating where they have 5 strength coaches. So it's individualized programs because each kid has different needs. Tuesdays and Thursdays dedicated to speed work. So with the speed work, we work on speed endurance on Tuesdays and Thursdays, power speed. That being said, what we're developing over the course of 10 months is better students, athletes. Les joueurs de PFA qu'on a à notre école sont des élèves absolument qui se démarquent au niveau académique, au niveau comportemental. C'est des élèves qui sont vraiment des élèves modèles. C'est des jeunes qui, on voit, veulent réussir, ont choisi de faire partie de ce programme-là parce qu'ils ont déjà une certaine discipline et ils savent qu'est-ce qu'ils veulent dans la vie. Donc, ils vont utiliser ce qu'ils apprennent ici puis ils vont l'adapter au niveau scolaire puis dans leur vie. Thank you. Pretty much. I've learned a whole bunch. I mean, they bring a really wide variety of coaches that very, very into the game. Like, they don't just bring coaches that come here and they're just, oh, whatever, it's just for the money kind of thing. They bring passionate coaches, coaches who love playing the game, coaches who love teaching the game to the kids and giving back to the youth of today to make them better at their specific skills. Premièrement, la technique. Bon, c'est sûr qu'on a toujours des choses à travailler. Il y en a souvent, quand ils ne sont pas des sprinteurs comme nous, c'est sûr que nous, c'est très, très, très spécifique. Juste le fait de courir, pas comme ça, mais de courir droit, si par exemple on fait des 40 verges, c'est quoi la distance entre deux lignes la plus rapide? C'est en ligne droite. Donc, les bras aussi doivent être droits au lieu de courir comme ça. Les genoux doivent être levés pour avoir plus de force pour frapper au sol. Tous ces petits aspects-là, c'est sûr que quand je le dis comme ça, ça peut paraître banal, mais quand on le fait et on te dit d'aller à 100%, première chose que tu vas penser à faire, tu vas te crisper. Puis c'est ça qu'au début, c'est ça. Tout le monde courait comme ça. Mais je leur dis, mais relax. Mais ils disent, mais quand tu relaxes, tu n'as pas l'impression que ça va vite. Mais c'est ça la clé. Mais d'apprendre ton cerveau juste avec ces aspects-là, ça prend du temps. Ça prend du temps pour ça que moi j'ai de la patience. Puis je veux dire, je vois de l'amélioration. Puis c'est ça qui m'intéresse. The reason I launched Top Arms is because speaking to a lot of my mentors are California and other coaches. I had the privilege to talk to a lot of pro coaches. The quarterback position is one of the most under-coached positions. So the whole idea behind Top Arms is to have a 7-month program. And I felt 7-month program will help the quarterbacks that had probably the questionable mechanics to be introduced to new mechanics. And I think it takes that long a time through repetition. And I call it, if they perceive more, they'll know more and they'll remember more. Ça m'a surtout amené à... Je me suis beaucoup amélioré dans surtout des qualités athlétiques et surtout mon speed, ma vitesse, vraiment amélioré beaucoup. Aussi, je revenais d'une blessure. Quand je suis allé, je m'étais disloqué la rotule droite 2 fois. Donc ça m'a permis de remettre de la force dans mon genou, de regagner ma force et maintenant... Bah, j'ai pu jouer ma première saison sans blessure depuis 3 ans. Mon nom est Sidney Charles, je suis entraîneur personnel et consultant en nutrition depuis une dizaine d'années. Et ma responsabilité, c'est de m'assurer que les jeunes effectuent leurs mouvements correctement et puis qu'ils s'entraînent de façon à développer leur capacité physique et assurer une bonne croissance musculaire.
Well, they're already seeing the advantage. They have their spring camps, which is outside of PFA, for the individual teams that are playing for. And we're already getting calls from the head coaches. The kids are coming back saying it's a big difference from the year before to right now. And their season hasn't even started, and we haven't even completed our training with them. So we're really looking forward to see how their development and what they achieve during their season once the training is complete and finished. We're delighted that they've chosen to come here, partner with us, and also allow us to be part of their program, because my fitness director is their yoga instructor, and they do yoga every second Friday. So it's having the understanding and the knowledge that a better athlete comes from a widespread type of workout is something that Michael brings to the table and recognizes that he's going to have stronger and healthier athletes with fewer injuries based on the programs that he's setting forth. Comme vous avez pu le voir, le Premier Football Academy forme non seulement des bons joueurs de foot, mais des bons athlètes, des bons étudiants de la game, des bons étudiants tout court à l'école et des bonnes personnes. Je pense que Michael Burgess fait un travail exceptionnel avec ses 24 joueurs et de ce qu'il nous a dit, il y a beaucoup de plans d'expansion pour l'avenir pour le Premier Football Academy. Donc c'est sûr qu'on va surveiller ce qui se passe ici dans les prochaines années et on va surtout suivre le développement de ces jeunes joueurs qui ont vraiment un encadrement exceptionnel. C'était Rémi Aboussouan sur AcroFoot TV pour Premier Football Academy.